Ouais, c'était notre premier match amical pour le lancement de la campagne de la Coupe d'Afrique. C'était important de bien démarrer. Et puis on a bien démarré par une victoire. C'est bon pour la confiance. Maintenant, rien n'est fait. Il faut continuer à travailler dur pour être prêt le jour J. Ça va, ça s'est bien passé, surtout dans les premières minutes. J'ai eu l'occasion de participer offensivement, de faire quelques centres, quelques bons centres. Après, sur la deuxième partie de seconde mi-temps, on a tous souffert, donc on a tous reculé. Après, il faisait chaud, il y en a certains qui ont fait tout le match, donc on a senti que physiquement c'était plus compliqué, on a plus subi, mais on a tenu bon et on a gardé le score. Il a donné un peu plus d'espace à cette équipe de Guinée. On sait qu'il y a des espaces, il y a du talent en face pour créer du danger, quoi. Mais bon, globalement, satisfaisant. Vous pouvez regretter Cessegno pour le premier match de Cannes. Lui qui est suspendu, il a été énorme cet après-midi. Ouais, même s'il a souffert aussi de la chaleur, parce que bon, s'il fait très chaud, je crois que pour les deux équipes au niveau du rythme, c'est un peu tombé en seconde mi-temps, c'était plus par à-coup. Mais on sait que c'est un joueur important chez nous, voilà, c'est un joueur qui a été au plus haut niveau, c'est notre capitaine, c'est notre leader sur le terrain et en dehors. Ouais, c'est un petit peu la même histoire que contre la Gambie. Je pense qu'on était la meilleure équipe. Il y a un bon fond de jeu. On a créé encore assez des occasions, mais il faut concrétiser les occasions, ça c'est clair. Et aussi, le but qu'on a encaissé, c'est une faute individuelle. C'est dommage parce qu'en ce moment, on était le meilleur dans le jeu. J'ai jamais pensé qu'on va encaisser, j'ai toujours pensé qu'on va marquer. Et le deuxième mi-temps, je ne peux rien approcher. Je pense que les joueurs, ils ont donné. Il y a un engagement, comme je l'ai dit, la circulation. Mais il y a un manquement de finition. On essaye de travailler sur ça, mais tu le sais, c'est souvent dans la tête des joueurs, c'est la confiance. Mais je pense que ça va venir le plus tôt possible.